Eh bien salut tout le monde, c'est Gaming, j'espère que vous vous portez très bien. Et aujourd'hui comme vidéo, je vous propose de changer un peu de mode de jeu. Comme vous pouvez le savoir, je vous avais proposé du mode une balle chargée. Ben là ça va être différent, ça va être tout simplement du jeu d'armes. Et à un moment dans la vidéo, je vous ferai un ou deux edits, je ne sais plus. Donc ce sera un mode une balle chargée que je vais gagner, bien entendu. Même si je gagne pas, je vous aurais quand même proposé ce gameplay parce qu'il est quand même assez bien réalisé, je trouve. J'ai fait une bonne partie. Or le but, c'est très simple, comme vous pouvez le voir, c'est que vous avez un petit flingue au début, vous devez tuer des gens avec, et plus vous tuez les gens, plus vous montez dans les armes. Et le dernier arme, c'est le coup de couteau, donc les couteaux balistiques, et vous devez tirer le couteau et tuer quelqu'un avec. Donc lui, il m'avait spawn kill, ça m'avait énervé énormément. Donc à ce moment-là, j'étais énervé, donc j'ai commencé à tous les tuer. Donc j'étais vraiment en train de me faire une bonne série. Entendu, là, il m'a cassé ma série, mais après c'est revenu. Donc regardez, je les entraîne assez bien. Hop, scorpion, viseur laser, puis lui, no scope. Je vais là, voilà, attendez, il est où? Ah ouais, il est là. Je tire un no scope. Après là, j'étais chaud, j'étais bien chaud et tout, j'étais chaud boulette. Je me retourne, je le tue, j'y vais, je fonce à l'attaque, je fonce. Viseur, EHF ou je sais plus trop quoi, EFH. Le mec se ramène, je tire comme un cul, comme un pied plutôt, je tire comme un pied et il me cut. Revoyons le montage. Allez, petit montage de toute ma série que j'ai fait. Une petite série quand même. Ça c'est le premier edit. Le deuxième edit sera juste plus tard dans la vidéo. Donc un petit edit comme ça, hein. J'ai pas fait un edit énorme, hein, j'ai juste mis un effet de couleur. Ça. Quand je dis un edit, c'est pas encore ça. Un edit, ce sera vraiment quand je ferai un edit montage de sniper du genre. Là, donc je suis juste en train de tester les edits parce que je suis pas encore doué là. Je regarde juste pour savoir comment bien, à peu près quelle couleur je dois mettre. Et après, ben, quand je retrouve la couleur, je ferai quelques petits montages au sniper. Non, les montages au sniper devront sûrement bientôt arriver, je crois. Faut juste que je joue en ligne au snipe, c'est ce que je fais. Mais j'essaie de faire une bonne partie pour pouvoir faire un edit. J'en ai fait une bonne, mais ce sera sûrement un gameplay edit. Ouais. Alors, là je me fais killer et tout, surtout que ce sniper là c'est pas l'idéal. Un petit hardscope, je suis désolé. J'ai fait que des hardscopes, je crois, parce que. Pff, ouais, ils étaient à la mid-trade, donc ça me saoulait un petit peu quand même de faire un flashcope et de perdre la partie pour rien. Et après, si je foirais, j'aurais un peu la honte de foirer mes flashcopes, même si je les foire pas trop non plus. Ça dépend avec quelle arme je joue là, puisque je suis en des jeux d'armes. Je préfère jouer sniper en tous les autres modes que ça. Voilà, un petit hardscope, qui scope, je sais pas trop. J'ai pas le temps de regarder ce que j'ai fait. Après, donc là, on va me tuer. Et puis à un moment, je rends du cul et je vais réussir à tuer un mec avec le sniper là. Parce que là, regardez, je vais foire toutes mes balles comme un. Je sais vraiment pas tirer là. Je fonce, on va me tirer dessus. Je vais me retourner. Il sera à la fenêtre qui c'est à ma gauche. Hop, droite, là-haut. Je le vise correctement. Paf, il m'a pas tué. Je sais pas pourquoi il l'a fait. Ensuite là, un petit enchaînement, j'y vais, en mode edit, voilà, un petit edit. Je tue le mec là-haut, lance-roquette, je me retourne, 180, lance-roquette, paf. Puis après je commence à les enchaîner un petit peu, arbalète, paf. Une fois que l'arbalète est collée, on me tue, je fonce, je fais un petit couteau et la gagne. Et la partie est gagnée, les amis, voilà. Alors les amis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus à me suivre, à commenter et à liker. Je suis énormément content et j'espère que vous aimez mon travail. Pour les 100 abonnés, je ferai une vidéo où je choisirai quelques personnes pour participer à une vidéo. Et sur ce, les amis, allez, j'espère qu'on se retrouvera et que vous l'avez écrit. J'espère qu'on se retrouvera, pardon, pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde.